et imaginez. On existe dans les rêves de tous les êtres humains de cette terre. Mais beaucoup, 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 beaucoup ont quand même du mal à nous trouver. Pour réussir à rentrer dans notre monde, tu auras un rite de passage, peut-être même plusieurs. Oiseaux et tout ce qui se trouve dans cette jolie forêt et jungle nous connaît bien aussi. Nous vivons tous ensemble dans la plus grande des harmonies. Je pense que il est temps pour toi aussi de fermer tes yeux et d'essayer peut-être de venir nous rendre visite si tu le veux bien et si nous le voulons.
tout ceci remplacé par des écrans, des téléphones, des télés. Et nous savons bien que ce n'est pas bon pour vous. Mais nous savons bien aussi que vos problèmes ont besoin d'être effacés par le problème des autres. On vous a vu regarder tout ce qui se passe à la télé et vous dire que finalement votre vie n'était pas si horrible au vu de ce qui se passait ailleurs. Mais ce que je te propose, c'est d'essayer de te reconnecter à nous, d'essayer non pas de compter les moutons lorsque tu t'endors, simplement d'essayer de penser plus haut, plus loin, au-delà de la vie que tu mènes au quotidien. Si jamais ce n'est pas possible, n'hésite pas à nous adresser un message. Sache que même lorsque tu t'allonges et que tu t'endors doucement, nous t'entendons. C'est pour ça aussi qu'il est très important de parler, d'échanger, de communiquer. Nous autres, êtres féeriques de la forêt, ne communiquons pas tous de la même manière, n'avons pas le même langage, pas la même façon de nous exprimer. Les mêmes mots, parfois même aucun mot. Le physique n'est pas le même, les regards ne se comprennent pas toujours. Et pourtant, dans une belle harmonie, nous arrivons à communiquer, car nous savons que nous avons tous, les uns pour les autres, beaucoup de bienveillance. Et qu'il est inutile de s'énerver, ou même de s'agacer, ou de s'en prendre à quelqu'un qui n'aurait rien fait, et quand bien même tu croiserais des gens qui s'agacent, qui s'énervent ou qui voudraient s'en prendre à toi ou aux autres qui t'entourent, eh bien, il est plus sage dans ces cas-là de laisser et de partir, de faire autre chose peut-être, de se calmer le temps d'un instant avant de reprendre la route de la conversation avec cette personne. Car oui, nous n'avons pas tous la chance de rencontrer les fées, les lèpres jaunes, les trolls et tous ces êtres, aussi magiques sont-ils. Et malheureusement, pour toutes ces personnes qui ne trouvent pas cette petite paix intérieure, ce petit monde différent, eh bien, il leur arrive de prendre de grosses colères, de s'énerver si fort que parfois les gestes dépassent l'entendement. Mais c'est inutile. Normalement, l'âge t'amène, plus ou moins, selon les personnes, cette sagesse. Et si tu as besoin de t'apaiser, tu sais qu'en grandissant, cela viendra sûrement plus vite. Aujourd'hui, ça te paraîtra peut-être stupide et des paroles sûrement énervantes. Mais pourtant, tu verras que d'année en année, ton cœur s'apaise, que tu perds l'énergie pour rien parfois et que, arrivé à un moment, un stade de ta vie, tu n'as plus envie de la perdre pour rien. Tu as besoin de dévorer les bons moments, de te régaler de ce qui se passe avec ta famille, avec tes amis. Mais surtout, et c'est très important, de ne plus jamais gâcher un moment lorsque tu peux l'apprécier. Je ne sais pas si toi qui me vois, qui m'écoute, ou peut-être juste qui m'entends en s'endormant, tu as une famille, des amis, des enfants, peut-être une femme, un mari, une voisine, une mère, une grand-mère dont tu t'occupes. Mais sache que, quelle que soit la personne ou les personnes qui t'entourent, tu peux être le déclencheur de quelque chose de sain, de serein, de tranquille et de pur. Pour ça, il te suffit simplement de faire le
Ça va trop mal. Je t'invite à essayer.